tous ont été affectés par la guerre. Aucun coin du monde n'y a échappé. L'esprit humain nous a poussés à combattre en des endroits où nul ne s'y était risqué. Dans l'école des Alpes comme dans les cieux. Allez, c'est parti. On a dit que cette guerre mettrait fin à toutes les guerres. Mais je me demande si l'ambition de l'homme et sa soif de destruction disparaîtront un jour. Et c'est parti pour le troisième chapitre de Battlefield 1. En espérant ne pas trop mourir bêtement. Tout va bien? On t'attend pour couper le gâteau. Waouh! Elles sont incroyables! Oui. C'était une époque incroyable. Cet uniforme t'allait vraiment bien. Ce n'est pas moi, c'est Matteo. Oh, bien sûr. Désolé, papa. Prends tout le temps que tu veux. Non, non, c'est bon, tesoro. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé. C'était lors de notre dernier combat ensemble, à peine quelques jours après notre 21e anniversaire. Le bataillon de mon frère avait reçu l'ordre de capturer un fort enfoncé dans le territoire ennemi. Je ne suis pas parti avec lui. Je faisais partie d'une unité spéciale avec une mission différente. Notre objectif était de soutenir le bataillon de Matteo. Nous étions une unité très fière. Nous changions le cours de la guerre pour l'Italie. Les Arditi. Se frayer un chemin. J'ai dû gravir la montagne en éliminant tout ce qui pouvait menacer son unité. Tu viens juste de commencer ton histoire et j'ai déjà peur pour toi. Mais non. Je portais une armure
plus. Les Altiti étaient de fiers engagés volontaires. On était prêts à donner notre vie pour l'Italie. Une église se trouvait sur notre route. Les troupes ennemies l'avaient fortifiée. Impossible de passer sans les affronter.
je la détruise. Il se dirigeait toujours vers le fort. Oui. Je devais faire tout mon possible pour qu'il l'atteigne. Vas-y là.
n'avais qu'une seule solution pour assurer la sécurité de mes hommes. Faire sauter le canon. Feindlicher Soldat gesichtet!
Cette explosion fut l'un des plus beaux spectacles de cette guerre. Mais il n'y avait pas un instant à perdre. Je voyais un canon anti-aérien sur la crête suivante qui abattait nos avions. C'était ma prochaine cible. Au canon. Si je voulais pouvoir l'utiliser, il fallait d'abord que j'élimine ces servants de canon. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers, et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement, et j'aurais perdu Matteo. Les autres se sont mis à m'attaquer, mais je devais défendre ma terre. Je ne pouvais pas lâcher prise.
Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. Attends, c'est impossible. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Non mais c'est pas possible, on se cache comment? J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers et il fallait que je les abatte tous. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Putain, mais c'est impossible ce truc. J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers et il fallait que je les abatte tous. On n'avait aucun renfort. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement et j'aurais perdu Matteo. Avions tombés. Les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise. Oh, ça saoule, c'est quoi cette mission de merde? J'étais seul contre un escadron entier de bombardiers et il fallait que je les abatte tous. Si ces hommes étaient tués, notre progression s'interromprait totalement. Et j'aurais perdu Matteo. En voyant les premiers avions tomber, les autres se sont mis à m'attaquer. Mais je devais défendre Matteo. Je ne pouvais pas lâcher prise.
cachée sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour. Je me suis relevé. Je me suis dit que j'étais mort et que j'étais en enfer. Ils ont fait sauter la montagne. Ils nous ont enterrés, nous et leurs propres hommes. Oh, Seigneur, Matteo. Je te fais le trouver. Alors, j'ai foncé dans cet enfer. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver Matteo, mais il aurait pu être n'importe où. J'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Des alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider. Je devais trouver Matteo, mais il aurait pu être n'importe où. Alors j'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Les alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider.
les a entendus avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé. Ouah, wow, c'est abusé. On les a entendus avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé. Allez, on réessaye.
Ah. Eh ben. En fait, tu ne m'as pas dit. Est-ce que Matteo était dans ses chalets ? Non. Les hommes m'ont dit que son unité avait avancé. Chaque partie de mon être désirait sortir de ces tranchées. Mais j'entendais des Italiens crier. Je savais que mes amis étaient piégés. Partout où je regardais, il était trop tard. Je me sentais seul parmi les fantômes. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus regarder les corps. Il était forcément arrivé au fort. Spaziamo via i serventi! J'ai vu tellement d'horreurs, des ors, que je devais parfois me convaincre que je n'étais pas déjà mort.
Et ben, c'est raté. J'avais deux possibilités pour entrer dans le fort. Je pouvais soit passer par les tunnels souterrains, soit faire le tour pour entrer par derrière. Pas par l'avant ? Je n'avais plus mon armure. C'était impossible. Putain. Allez, hop, hop, hop. Oh là là, oh là là, oh là là, la merde. Comme j'ai fait de la merde.
J'ignore comment, mais je savais que Matteo n'était pas là. Eh ben, on aura bien galéré, hein. Toujours à cet endroit, chaque jour. J'avais presque renoncé à chercher, avec l'espoir que Matteo s'était échappé. Matteo is dead. No. Il est mort, Jim. Voilà. C'était beau. Fin de l'histoire. Une des moins intéressantes, hein, pour l'instant. No hablar español. Fin du chapitre 3. Petit plantage des menus et hop là! Et voilà, fin du chapitre 3. C'est parti pour le chapitre 4.